That we moved out of the way. Just let's go back. So that's Mark Shaw, then Tony Wood in the Tech Meg, John Spears in his Maserati 250F, and then Stefan de Groot, he'll line up also in a Maserati 250F. And then a great effort in qualifying by, I think it's his first time at Monaco, Thomas Spereth, driving race till 1961, but it's allowed into a sort of special class created for it, Class 4. Basically, we've got the first type of Formula 1 from 1948-49, the World Championship was introduced in 1950, but there was Formula 1 before that. 1.5 litre supercharged, 4.5 litre unsupercharged. 20 lì davanti a tutti, ieri fortissimo, è andata veloce, Claudia Hürgen, la pilota tedesca, che con la sua Ferrari, con la sua Maserati 250, dietro col numero 44 Smith Idiat, con la Lotus 16 e Folco Rusinol con la sorellina gemella, quindi la potenza delle vetture italiane Ferrari e Maserati contro la leggerezza delle vetture inglesi, delle due Lotus 16. Attenzione però anche al numero 30, allo spagnolo Fiero Eletta, già vincitore più volte qua a Monaco nel Gran Premio storico, e lì con l'altra Maserati numero 30. Abbiamo anche la Tecmec di Wood, la vettura numero 60 di Tony Wood, che è l'evoluzione della Maserati 250, e poi a seguire tutti gli altri. Ricordiamo, abbiamo anche un pilota italiano che è Massimo Di Risio sulla sua Osca MT4, una vettura usata in Formula 2 principalmente sulle gare attorno al Lago di Garda, poi è una vettura che è finita in America, è bravissimo Massimo che l'ha portata. Bandiera verde, tutto pronto, iniziamo il giro di ricognizione pensante, siamo pronti per la prima gara della mattinata, ricordiamo 10 giri da effettuare per questa gara. Ouais, conditions parfaites effectivement pour cette première course ici sur le circuit de Monaco, réservée à cette série A2 des voitures de Grand Prix. Avant 1961, elles avaient un moteur placé à l'avant effectivement, et il nous manque sur la grille de départ Mark Shaw avec la Scarab F1, la numéro 48 dont je vous parlais tout à l'heure, hein, cette voiture américaine, eh bien, elle est malheureusement tombée en rade dans le tour de mi. Ensuite on retrouve seul sur la troisième ligne de la grille de départ la Maserati 250F de Guillermo Fierro, qui est là depuis le début de l'histoire, hein, de ce Grand Prix de Monaco historique, première participation, première victoire d'ailleurs en 1997 pour Guillermo. Poi è stata ritirata, quindi Claudia Hürgen è partita molto bene lì davanti a Marino Franchitti, davanti a Folco Rusinol, la potenza di questa Mino 246 Ferrari che è al comando. Effectivement, avec un classement sur notre moniteur qui ne correspond pas trop à la réalité, j'espère que ça va être compliqué. Voilà, Claudia Hürgen devant Marino Franchitti, les deux leaders, on les retrouve bel et bien avec d'une part cette Ferrari 246 Fino, d'autre part cette Maserati 250F. On est capable de faire des marques de carte entre Hürgen et Franchitti. C'est assez clairement, alors que derrière, c'est un gars à la place, notamment Guillermo Fierro et Anthony Wood qui sont en train de se chercher. On a toujours la Lotus 16 de Joachim Folk, la numéro 40 en troisième position, avec un retard de 10 secondes. Ensuite, notre diétiste de service, Guillermo Fierro avec la Maserati 250F et Anthony Wood avec la Tecmec numéro 60. Sixième position pour John Spears avec une autre Maserati 250F. Dans 7e maintenant cette épreuve, on ne peut que féliciter le pilote fait par l'Australien Thomas Schick. Vétéran américain Doug Moquette également, hein, présent ici avec une autre Penske PC4. Début du tour de chauffe sur le circuit de Monaco pour cette série 2. Porte le nom de qui a eu l'information et la confirmation de cette information, il doit essayer de gagner maintenant. Le problème, c'est que ni Stuart Paul, ni Nick Padmore, ni Marco Werner ne sont pas venus laisser gagner, bien évidemment. Chacun pourra remporter la victoire. Ça va être une des courses les plus intenses de la journée ici. C'est la dernière de la matinée. Après ça, on aura le break de la mi-journée et on retrouvera trois courses dans l'après-midi. Elle va être particulièrement intense. 18 tours, hein, on vous le rappelle également, pour cette épreuve de la série 2 réservée aux voitures de Grand Prix. 3 litres de cylindrée.
then Michael Lyon starting fourth on the grid. Well, we saw what he could do when the car was having functioning steering until that problem arose in the previous race. Michael was running away with it. Then we've got next on the grid, James Davison with the Hill GH1 behind the grid. We've got the number two car, also.